C'est toujours le même problème, je trouve, quand tu racontes une histoire. C'est de se dire, bon, quelle serait la manière la plus juste de raconter cette histoire? Et j'avais l'impression que pour raconter un univers médiéval, même si c'est un univers médiéval de contes de fées, qu'il fallait de l'ornement, il fallait comme ça du fil d'or, quoi. Presque, enfin, je pensais à ça, des dessins au fil d'or sur un tapis moiré. Je fais un découpage comme ça, ensuite je crayonne rapidement, ensuite j'encre, ensuite je numérise tout ça, mais c'est vraiment à la couleur qu'en fait tout se révèle, en fait, la narration, les plans, etc., etc. Ce qui est particulier, c'est que je dessine comme ça, donc effectivement, tu vois, avec plume, pinceau, à l'encre, etc. Mais tous ces traits-là, après en noir et blanc, disparaissent dans la mise en couleur, ils deviennent des traits en couleur qui apparaissent du coup dans les pages un peu comme des motifs brodés, avec des traits très lumineux, très clairs, qui s'entrelacent. Quand je dessine ça, par exemple, où tout est noir, j'essaie de mentaliser à l'avance que tout ça, ça va être en couleur et que du coup, peut-être que cette grande masse noire, en fait, au final, dans la page, elle sera rouge. Donc cette période au trait, c'est, en fait, c'est vraiment une phase intermédiaire qui disparaît après. C'est pas facile, mais j'y arrive. Alors, par exemple, là, on va les mettre, hop, de la couleur tout au fond. Et donc, ici, maintenant, si on zoome, pour bien voir. Donc en fait, la couleur, elle va s'appliquer uniquement là où j'ai du trait. C'est-à-dire que moi, en fait, là, je suis en train d'appliquer des gros pâtés, mais la couleur ne s'applique que là où en dessous j'ai du trait. Alors en général, j'applique une couleur de fond, comme ça, partout. Et puis après, par contre, bien sûr, on peut revenir avec un outil plus fin et commencer à travailler avec plus de précision. Hop, donc après, hop, on vient uniquement sur la forme de la main. La manière de raconter les habits, les vêtements, les décors, les objets. Le coffre, il est raconté par les traits comme ça à l'intérieur de la texture. Ici, par exemple, ces motifs-là, là, floraux, décoratifs, qui viennent raconter l'objet. Et quand on utilise des codes d'une autre époque, ça aide à plonger le lecteur dans cet univers-là, en fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir sur l'échelle d'un tableau comment il fait un récit. Et comment on peut essayer d'utiliser un petit peu ça en bande dessinée. Sur un tableau comme celui-là, la conversion de Saint-Paul, où on voit une armée qui franchit une montagne en fait. Ben, moi tout de suite je me suis dit, mais bien sûr qu'on peut utiliser ce type de composition pour raconter quelque chose, et décider que le personnage qu'on suit, il est ici en bas, il est en train de passer le col, qu'il nous parle, qu'on le suit, et qu'ensuite on le retrouve ici, en train de passer derrière ce rocher qui continue de parler. Partir de ce genre de composition, comme support de mise en scène. Et donc c'était intéressant d'essayer de jouer avec ces codes-là. Donc c'est à la fois ça, et puis c'est aussi jouer avec les motifs décoratifs de l'ornement, en fait, des livres enluminés. De toute façon, je pense que quand on est dessinateur de bande dessinée, il y a vraiment ce côté d'enluminure, c'est-à-dire un travail long, fastidieux, qui prend du temps. Souvent, dessiner de la bande dessinée, je trouve que c'est vraiment ça. Ça prend des jours et des jours et des jours et des jours pour raconter une histoire qu'un lecteur va peut-être lire en une heure. Quand même, c'est ça, donc c'est une temporalité qui est complètement différente. Il y a quelque chose comme ça, d'un travail qui se fait très lentement, très, très modestement. J'aime bien ça.